Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire le son en direct parce que comme vous l'entendez derrière moi, il y a un bruit assez faramineux. C'est le bruit de la nouvelle imprimante 3D que nous avons achetée hier. Je vous ferai une démonstration un peu plus tard. Voilà, la vidéo, la vraie vidéo va commencer. Aujourd'hui, nous allons réaliser un pixel book. Oui, cet été, j'ai envie de dessiner des pixels. Vous voyez, comme le Capitaine America que j'ai dessiné là. Alors, pour faire des pixels, il faut faire du quadrillage. Et je me suis rendu compte que pour faire mon quadrillage, j'étais toujours de travers. Alors voilà, j'ai décidé de faire un petit livret avec un quadrillage déjà réalisé. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé du papier à 4 quadrillés. Une bandelette de 13 cm de haut, en fait j'ai juste enlevé les marges. Je vais utiliser un papier décoré que j'ai acheté chez Action, qui sont des super beaux papiers un petit peu pailletés, ici avec des cactus, qui va me servir à faire la couverture. Je le plie en deux et puis c'est parti pour la reliure. Alors la reliure avec une ficelle, je fais des trous avec une aiguille, avec un emporte-pièce, bref, tout cela n'est pas très compliqué. Attention quand même, ce qui est coupant ne doit pas être utilisé par vos enfants. Voilà, c'est tout simple, et puis une petite étiquette où j'écris pixel ou pixel book dessus, le tour est joué. Me voilà armée de mon petit cahier de dessin pour l'été. Je partagerai avec vous chacun de ces dessins. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à m'envoyer les photos de vos pixel book tout au long de l'été. À très bientôt, merci beaucoup.